Boya kuyoka via bana mama ulangie. Boya kuyoka via bana mama ulangie. Nzamba loba kitoko ye banzi tena bambu manango. Binoboka ngamina bango boko kota na lifelo pambaye. Boya koyoka via bana mama ulangie. Boya koyoka via bana mama ulangie. Nzamba loba kitoko ye banzi tena bambu manango. Binoboka ngamina bango boko kota na lifelo pambaye. Bien aimé dans le Seigneur libota na nzambe batu Yesu akufela bande koya biso. Bien aimé Jésus-Christ. Bien aimé Shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant que tu es pour nous faux serviteur de Dieu na poissa. Bien aimé na but moko kakabo kabwana na bango. Bien aimé po bazo be mabino na batoir, ba mouton, ba même ba mouton na batoir ba kende kata bango mitou. Bazo be mabino na tout droit en enfer. Bien aimé dans le Seigneur. Yango bo kabwana na bango. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé tous les vidéos que pesi passe pesi mawa. To pesi mbote na sœur na biso Kabibi Loba TV. Quelle grâce. Bien-aimé, tozi vidéo moko bien-aimé, baza ko expliquer via bana ya mama Olangi. Pamba te mama Olangi soit disant zalki ministère ya délivrance, ministère ya kumba. Ndenge nini bana na ye moko bien-aimé le Seigneur, bazo kaka basi ya mibali bazo kaka basi ya batu, mibali mikolo basi msusu bakufa, ya basi bazo kaka mibali ya batu, bien-aimé pesi pasi pesi mawa. Boko mona sœur moko zalaki na bango abimisi bango na poisa. Biso toko loba mingi te bien-aimé le Seigneur. Toko loba mingi te. Toko tiela bino vidéo boyo ka vidéo mais avant tout tiela bino vidéo to bondela moke to benga mokolo mission aya ko kango la bano ya ye na kombo na Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci ndengo zo tele misabiso papa to te aka vérité na bit mokabano baza la sauver pamba te ba faux serviteur de Dieu ba ye papa ba comme se makambo nzambe ba entreprise ba société na bango mobali atikeli mwasi mwasi atikeli bana baza ebele papa pona ko détruire eza mombongo papa ata ba bandaki na ba collaborateur ba ko kabwana na ba collaborateur wana pamba te komi de loko ya bango e komi bien privé na bango papa yango zo tinda biso pona bano ya yo ba to Yesu akufela ba yo ka sonde la trompette bakabona na batu ya mabe pe na makambu ya mabe po to bikse milimu na bango papa yaka ko te ya bano ya yo pe yaka ko kweisa banguna na biso que le Saint Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé osan adresse à bien awa pembe na pembi vérité de very very révélation de révélation uniquement pour na bato ye so koufela. Bien monsieur so koufela yo te. Bien aimé, okwa na piège ou. Okwa na piège ya ba faux serviteur de Dieu. Ba mouko lia yo ba mbongo. Ba ko lia mbongo vina yo mobimba. Ba ko détruit vina yo. Okomi esclave na bango. Okoti na prison moko spirituel. Ba mouko kontrole vina yo. Via bana na yo. Libala na yo. E pesi pas e pesi mawa. Yo mouto ye so koufela. Seke so koufela yo te. Réveille toi qui dors encore. Botala. Ba tike la bango héritage ya makambo anza. Et Zalakate, tout mon amour na pierrité, moi c'est à pierrité, bien aimé Nzamba Ponaraba, ou aya tignon de la mission. Soka poni mon yo yemo ko lukaye, mais bango botala, botala, ba pasteur nyo so soupe ba pastouf. Ba sala ba ma gablo na bango, ba inisia bana na bango, ba inisia basi na bango, ba komse bango ba pasteuse, soki ba pastrice, soki ba pasteresse, soki ba pastèque, to yebite bien aimé. Oh bien aimé, réveille toi qui dors encore, to koloba mingi te, mais avant to loba, tout temps à ta verse, moko na kombo na Jésus Christ, avant tout que la sœur na biso Kabibi Loba TV à loba, bien aimé, tout temps à nos verse, moko na kombo na Jésus Christ, na zana psaume, chapitre 37, verset 25, et je vais prendre mes lunettes pour n'attendre, madame, alléluia. Bien aimé, ceux qui n'ont tangi ma bé, tango kokoufa, papa tunio, pourquoi tu es avec un bateau, oh frère, j'ai tanga ma bébé, bien aimé, j'aime mes lunettes. J'aime quand j'aime mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tu es dans psaume, chapitre 37, verset 25. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, Yoka. J'ai été jeune. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ah, ni sa postérité mendiant son pain. Oyoki, bien aimé le banza bezoloba, nazalaki elingi, pe na numi na koli, nanu na mona moyenge ben, nanu na mona juste été, nzambe abandonné,
juste. Nzambe abandonné moyenge ben. Non na monate. Ni postérité, ne savait ni descendance na ye, ni bana na ye, ni bakokone. Nzambe ko abandonné bangote. Bel mais bon, oh makam tozo mona oyu. Bazwaka basi abatu, bakolo basi bakufaka, basi basokmi bali abatu, babo mama bala abatu. Bango nyoso. Misu bazana babima na lokofi. Musu bazana bima na maikalambai. Et puis si passe, et puis si maman. Tout le temps, on fait ça, nous avons tout le temps, nous avons bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 17, yolo tokotangawa, Matthieu chapitre 17, verset 15 à 16. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Gardez-vous de faux prophètes. Ah, ok, banaba sakole le kouta. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Toko ye babango na bambuma na bango. Toko ye banzete na mbuma. Bele me atemu ono abungi. Nzamba ko zongi sa ye. Me oya bango, bango nyonso. Kabibi loba ser. Loba toyo kayo na kombo na Yesu Kristu. Bande ko bazala edifie. On va commencer par Alain. Qui est Alain? Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent Alain par-ci par-là? Alain, c'est son fils aîné, c'est son fils chéri, c'est son fils gâté. C'est un peu normal, tous les parents se comportent comme ça. Ton premier-né, c'est ton chouchou. Alain, quand il a grandi, ta maman Lang est devenue maman Lang. Alain était au Canada, Alain ne faisait rien. Ses parents avaient l'argent. Maman Lang, avant qu'elle soit maman Lang, au chaud de l'église, maman Lang avait un mari qui n'était pas aussi pauvre. Papa Lang n'était pas ouvrier. Papa Lang était ingénieur. Papa Lang était directeur. Il était cadre, comme on va dire en bref, en un mot. C'est un monsieur qui vivait bien. Maman Lang, les gens connaissent son parcours. Maman Lang habite en Belgique. Maman Lang, elle a sa vie. D'accord? Ça, ça ne nous intéresse pas. C'est son passé. Mais quand maman Lang est devenue maman Lang que nous, on connaît. Quand elle a commencé son ministère, qu'elle a commencé à prier d'abord seule, après elle a pris les mamans et tout ça, qu'elle est devenue maman Lang. Maman Lang, hein? Maman Lang avait Alain au Canada. Alain était marié à une Canadienne blanche. Il était marié à une Canadienne. Avec, ils ont eu trois filles. Quand ils ont eu ces trois filles-là, Alain il vivait là-bas, faisait l'enfant gâté. Maman donne l'argent, il monte, il descend et tout ça. Un enfant gâté qui n'est pas croyant. À l'époque, elle n'était pas croyant. Pas croyant comme aujourd'hui. Hein? Il était croyant, mais croyant de maman n'est pas là, moi je vis au Canada. Alain faisait des bêtises, comme un jeune garçon qui avait quand même des moyens. Ses parents étaient riches. La fille canadienne là a commencé à suivre maman Langui jusqu'en Afrique du Sud. Les gens du ministère de l'Afrique du Sud connaissent cette femme-là. Cette femme-là venait avec Alain en Afrique du Sud avec ses trois filles pour venir pointer pour que maman Langui arrange leur mariage. Parce que ça bégait. Alain l'a trompé, Alain faisait ce qu'il voulait. La fille n'en pouvait plus. Le comportement d'Alain, ils avaient leur cuisine interne, hein, qui a fait qu'ils ne se sont pas convenus. Ça, ce n'est pas notre problème. Chacun est libre. Hein. C'est elle qui a dit qu'on l'a trompée. Alors, ça reste à vérifier. Nous, on va se baser sur qu'ils ne s'entendaient pas. Parce qu'il l'a trompée ou pas, ce n'est pas notre problème. Mais avec sa femme canadienne, ils ne s'entendaient pas. Alain a divorcé. Quand Alain a divorcé, la fille est restée avec les enfants, les trois enfants. Alain est venu en Afrique du Sud. Quand il arrive en Afrique du Sud, c'est parce que l'Afrique du Sud, à l'époque, était maison-mère presque du combat spirituel. Hein? C'était un grand site bien imposé. Ça avait l'argent. Il y avait beaucoup de médecins qui donnaient l'argent là-bas. L'Afrique du Sud faisait des bons chiffres d'affaires. Et en plus, ses filles habitaient là-bas. C'est un pays stable. Ses enfants étaient scolarisés là-bas. Quand on parle des enfants, on parle de Ketia et Aska. C'était les plus jeunes. Donc, Alain vient en Afrique du Sud, maman Langui, bien sûr, c'est son fils, elle se bat pour faire entrer son fils dans les ministères, et qu'il connaisse un peu les seigneurs et tout ça, qu'il entre dans les managements parce qu'il ne faisait rien dans sa vie. Quand il arrive, Alain a son meilleur ami qu'il retrouve en Afrique du Sud, qui s'appelle Serge. Serge et Alain se sont connus à Lubumbashi, quand papa Langui travaillait à Lubumbashi, se sont connus petits. Ils reprennent leur amitié. Alain assis sur l'estrade, Serge est assis dans la salle. Serge prie dans l'église de sa tata. Alain, c'est son ami. Donc, maman Lang, c'est comme sa tante. Hein? Vous connaissez en Afrique comment on vit. C'est normal. Serge avait sa femme, Joséphine. Ils étaient dans l'église, ils voient Alain et son pote. Il n'y a pas de souci, c'est son ami d'enfance. Même si Alain est déjà l'enfant d'une autorité, parce qu'on ne va pas se cacher, le niveau d'argent de maman Lang, c'était une autorité. Donc, il est quand même, hein? C'est pas tout le monde qui peut l'approcher, mais il est l'ami de Serge. Ils sont amis.
À la grande surprise de Serge, il commence à avoir des murmures que Alain, qui n'a pas de femme, sort avec sa femme Joséphine. Serge est dans tous ses états. Serge panique. Serge prie au combat spirituel. Serge n'en peut plus, en sachant qu'il prie là-bas avec toute sa famille. Ils se connaissent depuis Lubumbashi. Serge décide d'aller chercher du travail en Zambie pour prendre sa femme, avec qui il avait deux enfants, l'isoler, qu'ils aillent faire leur vie là-bas. Il ne veut pas affronter son ami, parce que déjà c'est son ami. Le garçon part en Zambie. Il prend sa maison, il trouve du travail. Apparemment, c'était une société qui faisait les minerais avec le Congo, Lubumbashi. Ce sont des garçons de Lubumbashi. Donc, il trouve un bon travail, logé et véhiculé. Quand il revient pour prendre sa femme Joséphine, Joséphine refuse. Pourquoi Joséphine refuse? Parce qu'à cette période-là, à l'église du combat spirituel, le ministère, ce n'est pas une église, le ministère du combat spirituel, maman Olande avait ouvert une boutique des dents. Vendait les biscuits, les bonbons et tout ça que les gens pouvaient manger après les jeûnes. Vendait les chapeaux, les foulards, tous les petits trucs si fins, si là. Vous voyez les t-shirts, les drapeaux. Vous voyez un peu ces petits trucs qu'elle fabriquait. Hein? Elle créait, c'est son design. Si fins, si c'est joli, c'est un joli design. On avait nommé Joséphine responsable de la boutique. Je ne dis pas c'est maman Olande qui l'a nommée. Parce qu'elle n'habitait pas en Afrique du Sud. Elle venait. Alors qui l'a nommée, on ne sait pas. Mais on l'avait nommée. Plusieurs personnes vendaient dans la boutique, mais c'était elle la gérante. Les combattants de l'Afrique du Sud sont là, ils vont confirmer. Là, je ne parle pas de vous qui êtes arrivés là en 2010. Hein. Arrêtez vos bruits. Écoutez. Laissez les gens qui connaissent le combat parler. Joséphine était gérante de la boutique. Quand Alain vient chercher sa femme, Serge vient chercher sa femme refuse. Elle dit que je ne viens pas en Zambie. Mais toi, tu ne vas pas rester ici juste pour vendre à la boutique. J'ai trouvé le travail à la maison. Elle lui dit, toi, pars d'abord. Hein. Moi, je vais te suivre. Le garçon, là, quand il vient pas un jour. Il vient, il reste un mois, il reste trois semaines. Chérie, viens, on part. Il fait ses clics et ses claques pour rentrer en Zambie. Ça veut dire, il s'accouple avec Joséphine. Le garçon, là, il rentre en Zambie. Il arrive là-bas en attente de Joséphine. Il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Dans sa voiture à côté de son chauffeur. Les combattants sont là, ils connaissent cette histoire. Les vrais, vrais. Pas vous là qui m'avez laissé des voix. Ça fait 7 ans, ça fait 5 ans. Pas vous. Vous là, vous êtes les nouveaux bébés. Baby. Baby. Hein? Vous êtes les bébés combattants. Vous ne les connaissez pas. C'est comme ça que ça fait le scandale. Quand Serge décède, Alain est pris au piège parce que ça se répand. Ça se répand que l'histoire avec Joséphine, peut-être, c'est le Tchibaou ou la coutume qui a fait que Serge est décédé. On a comme vu, ça c'est parti. On a pleuré Serge, c'était un frère de l'église, c'est passé. Joséphine est restée veuve. Donc Joséphine, normalement, elle devait s'affirmer maintenant avec Alain. Qu'est-ce qui se passe? Joséphine a une amie. Cette amie-là s'appelle Nana. Qui est Nana? Nana, c'était une veuve. Une veuve de qui? Nana, c'était la veuve de M. Nibé Poulousou. Beaucoup de Congolais connaissent Yanibé. On l'appelait Yanibé Poulousou. On les chantait par Zaïko, des gens comme ça. C'est un monsieur qui avait fait sa vie, qui avait eu des enfants hein, avec différentes femmes. Il était en Europe et tout ça. C'était un monsieur qui, à l'époque, là, il faisait un peu les fraudes, les frappes, les, hein, à l'époque, là. Mais il s'était retrouvé qu'il vivait en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il s'était trouvé une petite, une jolie, mignonne coquette qu'il avait pris, qu'il avait positionné comme femme. Une petite fille qui ne disait rien. Elle était douce, elle était calme. Elle ne connaissait pas la vie. Elle priait au combat spirituel, la fille-là. Tonton Nibé faisait tout ce qu'il voulait. Il était beaucoup plus âgé. Il a géré, il a gâté. Il avait caché dans un quartier résidentiel. Donc la fille-là, la femme de Serge et Joséphine, et Nana étaient copines. À cette époque-là, Nana venait d'enterrer M. Poulousou, M. Nibé. Paix à son âme. Elle venait de l'enterrer à Kinshasa. Quand elle revient, elle est veuve. Joséphine est veuve. Mais Joséphine a son topo qui est Alain Olang. C'est comme ça que, comme Nana avait la voiture, et qu'elle, Joséphine, son mari Serge, quand il était parti mourir en Zambie, il était parti avec leur voiture familiale, elle prend Nana pour l'accompagner, commencer à voir son gars, Alain Olang, qui est, on va dire, son fiancé, parce qu'elle n'a plus de mari. Mais ce n'est pas encore officiel. C'est quand elles vont à deux, que Alain voit Nana. Et que Nana essaye de récupérer Alain parce que ça n'a plus de mari. Alain tombe avec Nana.
Quand il tombe avec Nana, mais son cœur est chez Joséphine. Il aime bien. Donc, Nana maintenant commence à lutter avec sa copine pour récupérer Alain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue à la maligne, elle va au Congo Kinshasa. Elle va à la 17e rue, au siège de Maman Olangue, par en prière pour être proche de Maman Olangue. Parce que c'était les filles qui faisaient les jeûnes et prières dans l'église là du matin au soir, qui balayaient, qui lavaient, qui essuyaient la chair et tout ça. Ce n'était pas une sœur qui s'asseyait derrière les bancs, c'était les filles présentes. Vous voyez déjà des filles qui vendent dans des boutiques qui sont là. Quand vous finissez l'église, vous partez et elles restent là. C'était des filles qui luttaient, qui cherchaient des maris. Elle va flatter Maman Olangue là-bas. Maman Olangue la connaît parce que c'est une petite de son église qui a eu une histoire. Le monsieur qu'elle avait perdu, M. Nibé, ce n'était pas n'importe qui. C'était un monsieur connu. Donc son histoire était connue. Donc Maman Olangue la connaissait. Quand elle comprend que, ah, mais la fille, si me dit qu'elle sort avec Alain, la fille, c'est bien, c'est une fille du combat et tout ça. C'est plus propre que toi, mon fils, tu sois avec Nana au lieu que tu sois avec Joséphine. Parce que Joséphine, c'était l'amie de Serge. C'était la femme de Serge, ton amie. Ça ne sonne pas bien. C'est Maman Olangue qui favorise Nana chez Alain. Comme Alain a les problèmes au Canada, il a déjà divorcé. Il dépend de sa maman, il lui dit, je peux te confier le ministère de Jobourg, l'argent. Et Nana habite à Jobourg, pourquoi pas? C'est comme ça que Alain se marie avec Nana. Nana qui est son épouse jusqu'aujourd'hui. C'est une très gentille fille douce qui ne parle pas, n'a pas de problème. Mais c'était la copine de Joséphine. Bon, à ce niveau-là, on ne sait pas si c'est Alain qui lui a fait des avances ou c'est elle qui a fait des avances à Nana, à Alain. Mais Nana, par rapport à son comportement, c'est une fille trop calme. C'était une fille qui était ébranlée déjà par la mort de son ex. Ce n'était pas une fille qui pouvait peut-être sauter la première. C'est peut-être lui qui a commencé et elle a profité. Mais ce qui est sûr, elle a pris les gars de sa copine. La vie, c'est un combat et il prie au combat spirituel. Et il faut savoir qu'au combat spirituel, on dit quoi? La vie appartient au plus rapide, au plus courageux. Il ne faut pas dormir. Au combat spirituel, si tu n'es pas rapide, tu perds. Donc, elle a pratiqué ce qu'on lui a appris dans son église. C'est son épouse jusqu'aujourd'hui. Avec, ils n'ont pas eu d'enfant. Parce que Nana, elle a son enfant. Qu'elle a eu avec M. Nibé qui est décédé. Ils ont peut-être décidé de ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est leur choix. Hein? Après, ce n'est pas comme s'ils en manquent. Mais ils sont heureux ensemble. En tout cas, elle a bien positionné Papa Alain, qu'on appelle Papa Alain Olangue. C'est ça sa femme. On a fini son dossier. On va aller maintenant au dossier de son petit frère. Papa Guy, qu'on appelle communément Paul David. Papa Guy, là, il habitait ici en Europe, en Belgique. Il a son parcours que vous tous vous connaissez. Des prisons, des femmes. Des braquages des banques là. Quand on dit braquage, c'est pas quand même, hein? C'est quand même comme on dit les chèques. C'est dans ce sens-là. Faut pas vous imaginer qu'il allait cagouler. Non, 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 non. Il faisait comme tous les jeunes de son époque. C'est quelqu'un de très malin. C'est quelqu'un qui connaissait la vie, hein, à sa façon. Qui ne courait pas après sa mère parce qu'il gagnait son propre argent. Ça payait tout le monde. Ça lui payait aussi lui. Donc lui, il avait sa femme. Sa femme là, elle était du Congo Brazzaville. Hein? Elle venait d'une grande famille aussi, une famille très connue à Brazzaville, la famille Ebina. C'est comme ça que Guy est en train de fréquenter Maman Rebecca Ebina. Il sort avec elle, Maman Elangue n'est pas chaude. Mais ils font des enfants. Ils font des enfants, ils font des enfants, ils font deux enfants. Maman Elangue n'est pas chaude. Mais les enfants sont là. Elle est là, une église. Elle prêche le mariage. L'enfant, il fait les enfants sans épouser une fille. Tu vas faire quoi? Si toi, tu es sa maman, tu vas faire quoi? Ton fils ne t'écoute pas, ton fils déjà même, il commence à s'améliorer parce que la dame là commençait un peu à positionner Guy, hein, le faire descendre un peu, qu'il arrête un peu son travail qui faisait bizarre là. Elle comprend qu'elle n'a pas le choix. C'est comme ça que Guy Olangue prend Rebecca, amène à Maman Olangue. Maman Olangue à l'époque là, les combattants sont là. Maman Olangue avait fait au moins presque un an l'Afrique de l'Ouest. On ne va pas citer les pays ici, vous connaissez. Il a amené Rebecca là-bas. Il est parti la présenter pour officialiser son mariage parce qu'ils avaient deux enfants. C'était parmi ses fils mal réputés. Donc, elle manquait les arguments. Quand on lui parlait seulement de son fils, elle ne savait pas quoi dire. Elle a accepté. Ils ont épousé Rebecca. Il s'est marié avec Rebecca. Ils sont restés. Quand il reste casse-tête, la fille n'en peut plus. On la tourne, on la retourne, on la tourne. Elle s'est épuisée. On ne connaît pas les raisons. Hein? Quand vous n'étiez pas là, il ne faut pas dire pourquoi ils se sont séparés. Mais bref, il s'est séparé de Rebecca. Ils ont leurs raisons personnelles. Ça veut dire que Alain est divorcé. Guy est divorcé. Vous comprenez? Au combat spirituel. Où on prêche quoi? Merci. Guy est divorcé. Guy fait quoi? Il vient ici en Europe.
il rencontre sa femme actuelle. Sa femme avec qui il s'est mis, cette femme-là aussi est séparée. Elle a ses enfants. Ce n'est pas une sœur de l'église. C'est une fille de Paris, chrétienne. Hein? Ce n'est pas parce que tu n'es pas au combat que tu n'es pas chrétienne. Une fille de Paris, chrétienne, qui a ses enfants, il décide de se mettre avec elle. Elle remplit les critères qui lui conviennent, lui. Quand il se met avec elle, c'est ça son dernier mariage, il épouse. Il épouse cette dame-là, pourquoi? Parce qu'à la base, quand il la rencontre, elle le fait croire qu'elle est famille présidentielle. Parce qu'elle a des bons termes hein, avec les proches ou les enfants ou les sœurs de la famille présidentielle. On ne va pas donner les détails. Ce n'est pas eux dont on parle ici. Elle est très proche d'eux. Donc, lui, il se dit, c'est peut-être la nièce, la cousine et tout ça. Ils sont allés jusqu'à inviter le président de la République à leur mariage. Il n'est pas venu. Parce que c'était un faux bruit, elle n'est pas de leur famille. Quand tu vas te marier à une femme en pensant que c'est quand même la famille présidentielle, c'est grave. Ça veut dire que si on ne te met pas à ce standing-là, il y a un souci. Donc, ils ne sont pas venus à son mariage pour aussi montrer que non, ça c'est ta femme, on la connaît, mais ce n'est pas notre famille. Il a épousé sa femme, qui lui donne le bonheur aujourd'hui, qui l'a aussi stabilisé. Ça veut dire que ses deux fils sont à leur deuxième mariage. C'est une église qui est la réussite d'un couple. Parce que le ministère de Maman Olangi, elle a reconquis Papa Olangi, elle a fait devenir chrétien, elle a fait, comment elle a reconquis Papa Olangi, c'est ça le titre de son ministère. C'est comment récupérer son mari. Donc c'est la réussite d'un mariage. Mais elle a déjà deux fils divorcés. On descend. Ça c'est Papa Guy Olangi qui est marié aujourd'hui avec sa femme, ils élèvent leurs enfants. On part au numéro 3, Maman Virginie. Qui est-elle? Maman Virginie, c'est parmi ses filles les plus calmes. Les grandes sont calmes, hein, n'ont pas de problème. Elle habitait aux États-Unis. Elle s'est mariée à un frère de l'église. Elle quand même. Elle s'était mariée en chrétien. Un avocat. Un monsieur sérieux. Ils sont restés des années, n'ont pas eu d'enfants. Elle a changé d'avis. On ne sait pas si elle a changé d'avis ou qu'est-ce qui s'est passé. Parce que comme on n'est pas là quand les gens se séparent, on ne peut pas dire leurs raisons. C'est qu'ils ne se sont pas séparés. Elle a apparemment, je laisse ça entre parenthèses, parce que c'est ce qui s'est raconté, hein? Mais nous, on n'a pas vu. Vous êtes d'accord? Ce qui s'est raconté est que elle sortait avec le célèbre chanteur Thomas Lokofe. Elle sortait avec lui, ça s'est su là-bas aux États-Unis. Ça s'est su qu'ils avaient une liaison. Quand ça s'est su, elle a préféré quitter son mari avocat pour le suivre au Congo-Kinshasa. Elle est rentrée à Kinshasa. Ça, c'est entre parenthèses, c'est ce qui s'est raconté. Mais alors, pourquoi elle a quitté son mari officiellement, nous, on ne sait pas. C'est que ce qu'elle a quitté ce monsieur-là, elle est rentrée à Kinshasa. Peut-être parce qu'elle était avec M. Lokofe, peut-être pas aussi. Mais ce qui s'est raconté, c'est ça. Et elle est rentrée vivre à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. À Kinshasa, elle vit avec un monsieur. On va taire le nom ici. Ce monsieur-là avait son épouse au Canada. Il a abandonné son épouse, il est devenu son mari. Pas mari signé parce que le monsieur est marié, mais mari compagnon. Ce sont des adultes, ils sont libres quand même d'avoir des compagnons. Donc elle vit officieusement avec lui, même si le monsieur officiellement avec sa femme sait qu'il vit avec Virginie. Donc ce monsieur-là, avec l'argent de maman Virginie, c'est lui qui supporte sa femme au Canada et ses trois filles. Parce qu'avec maman Virginie, n'ont pas eu d'enfant. Maman Virginie n'a pas d'enfant, mais elle a un enfant adoptif. Ça, c'est sa part. On ferme la parenthèse. Ça veut dire que on est au troisième enfant de maman Olangi qui a abandonné le mariage. Le combat spirituel, c'est une église, on parle du mariage. On continue. On arrive à maman Sophie, qui est la quatrième de la famille. Maman Sophie, elle est la seule qui est bien mariée. Qui est mariée au même mari. Mais seulement Dieu ne l'a pas encore bénie avec des enfants. Mais elle est mariée, elle est tranquille. C'est pour ça que vous voyez les deux là, on ne les entend pas. D'abord, elles sont grandes. Elles ne sont pas dans les tapages des matures vues. Elles ont quand même leur respect que, hein, elles restent dans leur coin, sont pas sur les réseaux sociaux et tout ça. Maman Sophie est bien mariée. C'est pour ça que maman Sophie est celle qui tient la caisse de la famille. Tout l'argent du combat là, c'est elle qui gère ça parce qu'elle est la plus stable, la plus posée. On descend à Kétia. Kétia qui est aujourd'hui une femme très entreprenante par rapport à la femme congolaise émancipée qui investit un peu, elle a ses sociétés,
elle fait son, ses farines, elle a une association, elle est dans un parti politique. Côté aspect, femme évoluée, émancipée, ça présente bien, en sachant que c'est une chrétienne. C'est une fille formée qui est l'enfant de Maman Olaye. Chrétia a vraiment grandi dans le ministère. Ce sont des enfants qui ont été enseignés, qui ont fait tous les affermissements de l'église de leur maman. Donc, elle connaît le ministère. Chrétia s'est mariée en Afrique du Sud. C'est la seule fille de Maman Olaye que Maman Olaye avait investi l'argent. Elle a marié sa fille avec honneur, avec fierté. Sa fille Chrétia l'avait honorée, Chrétia. Parce qu'elle a grandi dans le ministère. Elle avait rencontré son mari Pacifique au ministère. Ce Pacifique-là, il priait avec toute sa famille au ministère. Ils se sont rencontrés là-bas, ils ont fait leur fiançailles. C'était un grand mariage. Les gens sont venus de partout. Ils ont fait les mariages, je crois, ce n'était même pas en Afrique du Sud. Donc, normalement, elle, elle allait être comme Virginie. Quand elle s'est mise au mariage avec Pacifique, ils quittent l'Afrique du Sud, ils partent vivre aux États-Unis, ils sont agités, un coup ils vivent ici, un coup ils vivent là-bas. Mais bref, elle arrive dans ce mariage-là, elle fait 3 enfants. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est eux deux qui connaissent avec Pacifique. Ce qui est sûr est qu'ils ne se sont pas entendus. En sachant que, quand ils étaient fiancés, Ketia aimait beaucoup Pacifique. Des deux, Ketia était vraiment amoureuse de Pacifique. Donc on peut supposer que dans le mariage, le garçon l'a déçue. Ketia là que vous voyez, elle a une blessure de cœur, blessure d'amour. Le garçon l'a déçue. Quand le garçon l'a déçue, Ketia décide de rentrer au Congo. Entre au Congo, ça fait un espace, ça fait. Il décide de faire quoi? De se séparer, de divorcer. Elle a divorcé, ses parents étaient vivants. Tous ses enfants là sont divorcés, leurs parents sont vivants. Ketia divorce des Pacifiques. 5 enfants, 4 divorces. Ketia divorce des Pacifiques. Elle vient au Congo, elle s'implante, elle crée ses sociétés, ses histoires, elle commence à vivre sa vie. Pacifique, de son côté, comme il est quand même proche d'une autorité à Kinshasa, on ne va pas citer les noms ici, sont très proches. C'est comme ça qu'on prend Pacifique. On le nomme comme ambassadeur dans un pays proche de l'Europe ici, on ne va pas citer, il ne fait pas partie de leurs problèmes. Il travaille là-bas. Il quitte le combat spirituel parce que ça n'a pas donné. Sa famille aussi part. Parce que quand des gens comme ça se séparent, ça fait un boom, ça fait des problèmes. Ça veut dire que les gens se séparent. Lui aussi, il a quitté le combat, qu'il était rentré. Elle avait ses enfants au Congo. Mais vous comprenez bien qu'elle-même, elle a grandi en Afrique du Sud. Quand elle s'est mariée, elle est partie aux États-Unis. Bien sûr qu'elle ne veut pas que ses enfants vivent au Congo. Elle fait quoi? Elle prend ses enfants, elle part donner à une sœur du combat spirituel pour les garder. Donc, elle n'habite pas avec ses enfants, ce qui est aussi un peu bien, normal, comme c'est une femme active, pour avoir ses mouvements faciles de voyager et tout ça au Congo, comme elle fait ses business. On peut la comprendre. Donc, elle confie ses enfants à une sœur de l'église. Elle rentre faire sa vie au Congo. Elle fait sa vie. Hein? Ce qu'elle fait, les rumeurs, on s'en fout. Elle est célibataire, elle peut aussi rencontrer quelqu'un qui l'épouse. Mais en sachant qu'elle fait sa vie, vous avez compris qu'elle fait sa vie. Elle fait sa vie. Bref, on descend à Aska. Aska a été formée au combat. Aska a grandi dans les enseignements. Elle a suivi tous les affermissements. À la grosse surprise de tout le monde, Aska chantait dans la chorale. Elle a commencé à se battre pour être une musicienne indépendante. Ce qu'on encourage, parce que dans la vie, il faut évoluer, prendre des levels. Tu ne peux pas faire la même chose toute la vie. Elle a quitté le groupe de la chorale. Elle a fait son orchestre, elle a commencé à se battre, chercher les frères connus, pour chanter avec, hein, elle est partie au Congo, faire les branchements. Ce qui est bien chez Aska, elle a essayé de se créer toute seule. Aska n'est pas trop vue comme l'enfant de Maman Olaye. Aska est quand même Aska. Elle a su faire son image. Elle est entreprenante, c'est très bien. C'est une fille qui ne veut pas que voler avec le nom de sa maman. Elle se bat pour être elle-même. Donc, elle a pu créer son groupe, être connue aussi au Congo. Parce que tous ces enfants-là, quand leurs parents étaient vivants, n'étaient pas trop connus. On connaissait, c'était leur maman. Aska a eu un prétendant solide qui l'a pourchassé, qui voulait d'elle, qui a tout fait. Mais ce n'était pas son destin, ça n'a pas donné. Elle ne voulait pas. Le mariage, ce n'est pas forcé.
Elle n'était pas sûre si elle voulait, mais ça n'a pas donné. Elle n'était pas intéressée, elle ne voulait pas. C'est comme ça que, à la grosse surprise de tout le monde, on vient de découvrir que Aska, brutalement, elle a un fiancé. Qui, au départ, elle ne montrait pas son visage. Elle cachait. Mais c'est parce que elle était consciente que le monsieur était marié. Ce monsieur-là, elle-même, il y a son témoignage sur YouTube. Hein, vous pouvez aller voir comment ils se sont connus, comment il avait vu dans une salle, il s'était mis devant et tout ça. Bref, ce monsieur-là, il était marié à une Sud-Africaine, les Sego. Avec, ils avaient un enfant. Dans le couple, c'est les Sego qui travaillaient, qui avaient l'argent par rapport à une fille normale. Elle s'en sortait, hein, elle gagnait bien sa vie. Elle avait sa petite maison et tout ça, avec son gars, un Congolais, avec leur enfant, comme beaucoup des Congolais sont avec les Sud-Africaines. Donc le garçon, il est ambitieux, un coup il fait ça, un coup il fait ça, il se démerde comme il peut. Avec, ils ont un enfant, ils décident de faire leur petit mariage traditionnel, tranquille, ils vivent leur vie. Vu qu'elle est consciente qu'il vit avec une femme, elle n'expose pas son fiancé sur les réseaux sociaux. Pour les gens qui la suivent, ils savaient qu'elle mettait toujours le dos, elle mettait toujours comme si c'était comme le jour du mariage, ça sera la surprise. C'était sa façon de faire son starmania aussi, un peu de suspense. Mais en même temps, c'est parce qu'elle savait que c'était un homme marié. Aska s'est mariée avec lui. C'est elle pour qui le mariage a fait le plus de dégâts dans la famille. Parce que cette fille-là, les Sego, elle allait chercher des youtubeurs congolais et tout ça pour se plaindre, dire que votre sœur de l'église m'a volé mon mari. Donc ça fait tous les buzz que ça fait là, peut-être pendant 3, 4, 5 mois. Les gens parlaient sur Aska jusqu'à fatiguer. C'est comme ça que Aska se marie avec Kevin Kaseya. Ils ont un enfant. Elle n'en a pas deux, elle en a un. Le deuxième, là, c'est des rumeurs là qu'un enfant Aska. Aska a son enfant. Elle essaye de se maintenir. Pourquoi on parle des Olangi? Parce que quand vous voyez leur vie là, il n'y a rien de modèle dedans ou il n'y a rien d'impressionnant. Ils ont une vie banale comme tout Africain. Comme toute personne qui vit sa vie, comme vous qui me regardez, comme quelqu'un normal. Donc, ils ne sont pas comme les enfants d'un pasteur ou d'une maman qui avait une vision. Et puis, si passe, et puis, si mawa, bien, mais bon, kabonana bateau, yo, baza yan zambete, bazo me mabino na lifelo, bazo me mabino na lifelo, zambe ya pambo labino, zambe ya visite bino, au nom de Jésus Christ. Amen. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé, naïe, kaka na lumba, on appelle ça un message moko de la part du Seigneur. Bien-aimé, t'aime un message na piso, ezali, l'espoir fait vivre. Bien-aimé, si t'as mon espoir, nous en la vie. Mais si t'as mon désespoir, nous en la vie, exacte. C'est ça, bien-aimé, le Seigneur. Avant tout, ban le message na piso, t'as bon de la mouke, na kombo na Jésus Christ. Père éternel, papa, merci. Dengozo, tele misa biso, papa, toi, ko te ya bandeko ya biso, papa. O pesi biso, tem ki to, kwa lolo ya espoir. Mingi bazo, tembo la na désespoir, papa. O zambe, yango baza ko échoué. Papa, yango tindi biso, zambe, na me la bango message. Lumière na mite ma na bango. Ya espoir, papa. Baza na espoir ke baza bana na nzambe. Baza na espoir ke bako longa na vina bango. Baza na espoir ke bako longa ke ni malamu. Baza na espoir ke bando ke bako longa bango te. Baza na espoir ke baza bana. Na nzambe pamba te Yesu pa kufela bango papa batambula na espoir papa na tiki message na maboko non nzambe yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien-aimé, vous en adressez bien. Mais nous en bala Yesu, bien-aimé, là, le Seigneur. Awa l'okouté zate. Awa, c'est ton frère. Alléluia. Ayoko pesa yo message de la part du Père. Alléluia. Zama kamba okende lola. Zama kamba ko biki sama. Tikete nzaba, pablo no ozili ba. Kouya ko lanande ko na yo. Bien-aimé, voilà. Bien aimé, zana batu ebele batambola na désespoir. Au lieu au tambola na espoir, yozo tambola na désespoir. Bien aimé, zali biente. Au moment où mutu mususu abeli, mais y a t'il désespoir. Bien aimé, désespoir, et même batu ebele na lilita. Au moment où yozo kende koluka musala, otie déjà désespoir. Au lieu otia espoir, yotie désespoir.
Est-ce que bakozo na musala? Non. Bien aimé na vie, il faut autant na espoir, même na makambo nzambe. Il faut tiana mutu na yo ke nzambe a yebio. Nzambe atambula kana yo, nzambe akolongisa yo na makambo nyonso. Voilà, mais ceux qui ont été désespoir, uti ke line mutu mususu ndeenda za moto na nzambe, yo za moto na nzambe te. Donc ça veut dire yo faut kutana na mutu wana poto pambwama. Yo faut kutana na mutu wana poto nzama sana bo moyina yo. Ezali mensonge. Donc ils sont confiants qui pourront y peuvent pourront gagner. Voilà. Donc ça veut dire que espoir, c'est un espoir na vie na yo. Tambola na espoir na vie na yo. Nous sous écoute tambola sokoza na espoir. Sokoza na espoir, c'est le sokoza na assurance. Voilà. Donc ça veut dire que nous sous écoute ne malamu. Dengue na bimi boy, nous sous écoute lika malamu. Voilà. Dengue na belly boy, na kubika. Voilà. Quel que soit le problème, zala na espoir, zala na assurance que okolonga, que okobika, voilà que nous se koleka na kombo na Jésus-Christ. On trouve tant verset moko, bien aimé dans na Proverbe chapitre 3, na ken on a verset 23 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Voilà. Mais le sous tombe dans l'assurance. Na vie na yo, na banzela na yo, mais oko koyate. Voilà, oko glissete, parce que zan assurance. Voilà, mon sika na masumu, mon sika na batwa mabe, mon sika na makambo mabe, beneme oko koyate, beneme yesu peza na kata bo moina yo, pour yende pasali assurance na biso, yende pasali espoir na biso, moutoua zan a yesu na bo moina ye, beneme ako koya difficilement, ako échoué difficilement, ce que se confia kananzame, na makambo nyon sou salaka, avon la lo bele la kaya bate la yo, beneme dans le Seigneur, tant que l'homme tongo belle lié au Seigneur, merci. N'a pas ce souffle de vie, petit qui je n'ai pas beaucoup naïe. Bien aimé, tant que bini, partout qu'on est même à Kata Moutouka, avant de démarrer Bondela, bien aimé dans le Seigneur, même la Kata transport au côté Bondela. Et ceux qui m'ont mabé, c'est à Kata Moutouka, voilà, bien aimé, à vous la nianti. Voilà, à ta bataille qui bombe, et que bête à tes poses à la Kata dit amen. C'est ça, espoir, aux an espoir, bien aimé, n'a pas zaliboui, bien aimé, mieux sous les camarades. Voilà, c'est ça avoir Dieu, c'est ça avoir l'assurance que Seigneur Jésus-Christ était mort pour toi. Voilà, et tu es sauvé. Tiens, tu es sauvé. Voilà, 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 voilà, bako nyoko la foi na yote. Voilà, pambate ozana nzambe. Moutu ozana nzamba sabiki sami. Tambola kana nzambe. Bileme okolonga. C'est ça avoir l'espoir. Zala l'espoir que on a ko réussir na vie nangai. Na ko réussir na libala nangai. Na ko bana nangai bako réussir. Na ko sala tu bana nangai bako la malamu. Bana nangai batanga. Bana nangai bazala minami sala. Ata klas okokite ndeko. Ata formation. Voilà, pambate okokiko chouete. Faut tambola na espoir. Bileme si ça mais ça n'a pas besoin d'attendre à l'élo au terme on a espoir zala na espoir que ma camionne au Simba zala na espoir que vienne au Kenema Lamu zala na espoir que Banguna bako longa yote peu bako longa yote parce que c'est l'espoir faut zala espoir faut zala spirituel parce que nous se banarana la spiritualité voilà c'est on a quatre spiritualité bien nous on a quatre spiritualité aux esprits bien nous bako longa yote pas bato zala espoir aux autres temples na longa voilà Nzambe ya pambola yo, nzambe ya visite yo, tambola na espoir journée na yo mobimba. Tambola na espoir bien aimé na vie na yo mobimba. Okomono ko longa, bien aimé ko longa bandoki ya famille, bandoki ya quartier, bandoki ya ba collègue, bandoki ya ba camarade, bandoki ya monde physique et monde spirituel. Okolonga bango na kombo na Jésus Christ. Pe okolonga na vie na yo. Pe bana ba kolonga na vie na bango. Pamba tu ozali na espoir. Et l'espoir c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Alléluia. Nzambe ya pambola bino. Nzambe ya visite bino. Banguna na bino. Bazala ba marche pie na bino. Au nom de Jésus Christ. Amen. Quelle grâce. Ba Congolais nyo sotou ba yungba yiba. Il faut batala racite nini. Soko uzali Congolais ya solo e sengeli otala bobele Congo Dialogue. Congo Dialogue? Tembete. Ozasie. Soko uzali Congolais ya solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo Dialogue. Oyeba makambo wazali koleka kuna. www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo? Yango wana. Papa kinze talobi yango. Foko talaka? Congo Dialogue. Tina yangu ngaipena yeba ka makambo makoleka kuna. Nabosanate.
Congo Dialogue.com.